Salut à tous, Ingo. On se retrouve pour la suite du Let's Play sur Surviving Mars en pleine tempête de poussière qui est en train de foutre un bordel pas possible. Je viens d'envoyer, j'ai essayé de régler un peu le truc en off pour essayer de faire avancer les choses pour pas que ce soit trop rondondant non plus sur les épisodes. Je me sens obligé de relancer maintenant parce que c'est tellement le bordel. Enfin, je sens que ça va être le bordel. Je viens d'envoyer une navette, j'ai plus de thunes. Hein. Enfin, là, je viens de récupérer 500 millions. Mais j'ai claqué toutes mes thunes pour amener des composants là toutes sortes ici. Parce que c'est complètement vide à chaque fois là sur l'électronique et les polymères. J'ai l'impression qu'ils galèrent, mais vraiment de ouf. Donc j'espère que ça va le faire. On a un gros problème d'énergie. Donc j'ai rajouté des éoliennes ici. Ça va pas être suffisant. On en avait prévu dans le dôme ici de mettre des stirlings. Ça coûte une blinde hein, à construire. Donc pas trop le choix malheureusement. Et il va falloir que je commence à produire sérieusement là sur le sur les dans les dômes. Ici on a quand même les pièces détachées. On a deux usines normalement de pièces détachées. D'ailleurs celle-ci ne tourne plus carrément. On a envoyé une mission aussi pour les recherches. On a débloqué plein de nouvelles recherches intéressantes. J'ai changé l'ordre des choses du coup. J'ai envie de terminer d'abord les petites recherches. D'ailleurs ça on va le sortir. J'ai pris une petite recherche de financement, il me semble aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on avait lancé l'arcologie. Ça va être top. Il y en a une recherche pour gagner des thunes et je me souviens plus à quelle c'est. C'est vrai que l'Institut Hawking pourrait être intéressant par la suite pour nos nouveaux dômes. Ça coûte très cher. J'aimerais quand même terminer un peu ce qu'il y avait avant là. Ouais, allez, on va terminer tout ça. J'ai relancé Curiosity aussi pour les recherches ici parce qu'en fait il n'y était pas en train de les faire. J'avais vérifié et c'était pas bon. Spirit. Ouais, bah Spirit et Opportunity sont en train de faire les allers-retours là comme on le voit. D'ailleurs. Ouais, des métaux là, on en a. C'est pas un problème. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais en mettre un là parce que. Un deuxième. Alors, il est reparti. Va falloir qu'on gère la chose là. Parce que ça peut vite tourner au vinaigre. J'ai passé en priorité les réseaux de drones en haut pour l'énergie. Malheureusement. Sur l'eau, c'est ok. C'est vraiment l'énergie qui pose problème là. 1500 gagnés, ça va aller vite hein, grâce à Curiosity là. Ça va aller super vite. Je vais faire ça en prio pour avancer sur les sciences. Et il y a un petit problème de bouffe aussi, hein, comme on le voit. Donc va falloir le gérer. Et la tempête de météores et de poussière, enfin de poussière bientôt finie, météores ça va durer encore un peu. Vous savez quoi? Vu qu'on a énormément de métal en fait, je pense qu'on va faire un petit truc. Je vais péter ça et ça. Non, par contre, pas ça. Je voulais juste aller dans le menu. On va rajouter des panneaux solaires ici aussi. Ça va aider à recharger les batteries, tout simplement. Ça c'est vraiment pas un problème pour la maintenance, mais là l'énergie c'est compliqué. Okay, on va faire ça comme ça. Ok, let's go.
resources are low. J'ai presque envie de rajouter une éolienne là. Research complete. On a une fuite quelque part ou quoi? Réseau d'alimentation divisé. Ça on s'en fout. Par contre ça on s'en fout moins. Oula. Santé mentale qui baisse. Ça c'est la priorité, il faut que je la mette là. Ça c'est pas bon du tout. On va augmenter la priorité là-dessus. Là-dessus aussi d'ailleurs. J'ai presque envie de fermer l'institut de recherche là pour le moment. Faut qu'on arrive à gérer l'urgence là en fait, vraiment. Alors celle-ci est prêt à atterrir aussi. Attendez, mais il y a quoi là-dedans? On va le faire atterrir là. Je pense que je prendrai un deuxième rover télécommandé assez vite là. De un commandant. Colonists are departing. Ok, si j'ai un gars qui se barre, ça va, ça, ouais, ça me va. On a quand même 108 gars dans la colonie là actuellement, ça commence à faire. Hein. Mine de rien. Là, il y a tellement de maintenance que ça m'inquiète vraiment beaucoup. Alors, on va booster un petit peu. Ok, ça tient. Je vais envoyer Pathfinder aider de ce côté-ci. There are Earthsick colonists. Ok, archéologie terminée. Alors, j'ai bien envie de péter ça. Là, je vais vraiment en avoir besoin. Ils font rien parce qu'il y a besoin de maintenance sur le réseau de drones. Et vu qu'il y avait plus de stock. Allez, là, faut y aller. Hein. Faut absolument qu'il relance ça très vite, hein, parce que... Ouais, ça va. Nouvelle technologie disponible, alors. Scan holographique fusée avancée, fusion nucléaire. Putain, ça va peut-être être notre Graal. Impression de drone, façonnement comportemental, aménagement paysager de conservation. Où est le truc nucléaire là? Façonnement comportemental, soigne. Un sanatorium. Fusion nucléaire. Réacteur à fusion nucléaire. Ok, je vais le faire assez vite. Parce que là, j'ai rajouté des éoliennes, mais je les couperai. C'est vraiment pour essayer de combler le manque là qu'on a. Les panneaux solaires là qu'on a rajoutés, on en a rajouté quand même. 12-13. Donc ça devrait quand même nous aider. Faudra que je vienne terraformer ici pour le prochain dôme. D'ailleurs c'est vrai que je vais avoir un problème de construction. Je vais inverser ces bâtiments je pense, pour pouvoir relier les trois dômes ici par la suite. Pleinement de décharger ici. Alors qu'est-ce qu'on a là déjà? 5 passagers à bord. Hop, c'était une mission ça. Allez, est-ce qu'on est reparti là? J'espère qu'ils aillent me réparer l'usine très vite là à polymère. Au niveau de la bouffe, ça tient.
Ce qui est assez dingue, c'est qu'on manquerait de monde encore. On est à 24, 24, 13. Est-ce qu'il y a des missions qui nous intéresseraient sur Mars actuellement là? Celle-ci, oui, mais quand on produira. On a encore un truc pour l'émetteur, celle-ci trop chère. Lancement de recherche, j'ai bien envie ça. Je vais envoyer Antares. Elle est prête. Allez, let's go. Bon, j'espère que ça va aller. Manque de polymère. Boutique d'art, ouais, la boutique d'art. Voilà, coupé pour le moment. C'est assez ouf hein, ce que ça consomme. Nouvelle anomalie, tiens, de recherche encore ici. J'avais oublié Curiosity. Ça va être délicat cet épisode. 231, j'espère qu'on va commencer à recharger un peu les. On recharge, mais c'est pas énorme. Il y en a beaucoup, mais de toute façon. Je pense qu'on est quasiment au max sur cette techno-là. Il va falloir qu'on avance sur les recherches, en fait, hein, tout simplement. Waouh, encore ici. C'est énorme. J'ai pas envie de booster la science parce que si j'ai besoin de thunes vraiment, et là on en a plus beaucoup, faut faire gaffe. Oh, 2500, c'est énorme. Ça, c'est la mission qu'on a envoyée. On a gagné 2500, on va gagner au moins 1000 là, je pense, avec Curiosity. Alors, celle-ci est prête à repartir. Oh là! Oh là, on va ralentir là, ouais, c'est bon. Donc, Gail Gray s'est suicidé. Il est devenu fou, il s'est suicidé. Qu'est-ce qui se passe dans ce dôme là? Tout fonctionne. Il y a, en termes d'énergie, on est bon. Il manque des polymères ici aussi. Il manque des polymères. Ça mériterait de rajouter une usine. En réalité. Je vais la mettre pas loin du dôme, parce qu'on va être gêné assez vite là. Est-ce qu'ils ont avait terminé ça aussi? Ouais, c'est bon. On a un deuxième suicide, encore dans le même dôme. Que se passe-t-il là? Je vais rajouter des panneaux solaires ici. On va voir ce que ça dit. Mais là, faut gérer le problème très clairement. Là, c'est vraiment la merde sur l'énergie. Allez. Thank you.
J'ai pas de quoi ramener des Stirling là, par hasard. Voyons voir. Ah, j'ai pas de fusée dispo. Route vers la Terre. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? On va regarder un petit peu. C'est pas ça. Alors, les dômes. Le dôme Harrison. À part la défaillance. Colon. Elle est dans quel dôme celle-ci? Oh. On va mettre tout le monde là, il faut. J'essaie de m'adapter hein, parce que on a déjà deux mecs qui sont suicidés et ça c'est vraiment pas bon du tout. On peut se l'imaginer. Allez, viens filer un coup de main ici, toi. Que font Opportunity, là? Il fait plus rien, lui. Est-ce qu'on n'a pas des ressources proches? S'il y en a plein, là, c'est top. Les polymères. Allez, vite. Il y en a toujours le métatron qui est là. Hein. Je sais pas ce que. Ouh, mauvaise récolte de nourriture. Il faut que je fasse super gaffe sur la bouffe là. Parce que on est très très juste. Bien plutôt là. Eux ils sont en rade, est-ce qu'on arrive à accumuler un peu d'énergie? Là j'ai l'impression que non. Si là c'est remonté. Là c'est à fond. Il a besoin de polymère. Coûte cher en polymère ça. Je vais l'annuler pour le moment celui-ci. J'aurais dû le mettre ailleurs d'ailleurs parce que c'est pas très beau là mais bon. There are Earthsick colonists. Faut que je fasse super gaffe à leur santé mentale là, il y en a qui sont vraiment bas. Ça un petit peu aussi, surtout qu'il y en a deux, c'est trop ça. Là j'en ai trop mis je pense pour le moment. Ouais, ça on avait compris. Funding received. Ok, on a reçu des thunes par contre. Ouais. Bon, encore un suicide. Encore dans le même dôme. Oh wow.
Opportunité à tout prix là. Je crois pas, hein. Donc s'il te plaît. Hop, allez. There are earthsick colonists. Trop nostalgique, tant qu'il n'y a pas de suicide, mais là faut que ça se calme vraiment. Ça a l'air d'aller là sur ceci. Le secteur scanné, c'est dans le coin. D'ailleurs, hop. Un mort. Encore dans le même dôme. Ok, bon, on va faire gaffe. Est-ce qu'il y a d'autres missions simples? Oh, j'ai l'impression qu'on a bien torché le truc. Il resterait ça. On va le faire. Il y a des thunes sur le plateau là-haut hein, aussi. Hein. C'est assez hallucinant. Curiosity là, je l'ai oublié. Ah, je l'ai oublié. On va faire la science hein, en prio. Hein. Bien sûr. Usine à drone. Je sais pas trop sur quoi partir. Pour être honnête. Ça c'est top, mais ça coûte une blinde. Un peu de thune aussi. Allez, on va essayer de faire ça. J'ai vraiment besoin de l'argent là, je pense. Le Spirit arrive full, par contre il arrive full. Là, on a des polymères, ouais. Qu'on arrive à tabasser au niveau énergie là. J'ai l'impression que ça repart là grâce au panneau solaire, mais. On va croiser les doigts. Que ça se calme surtout là. L'infirmerie est blindée. Hein. C'est le problème de ces dômes. J'aurais pu mettre une flèche par exemple. D'ailleurs, attendez. Ils m'ont détruit la flèche là. Oh. Il est temps que je mette la nouvelle. Dépasse complètement, mais combien elle coûte? Ouais, 10 polymères, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que là, on en a vraiment besoin. Il en reste là, je peux m'en renvoyer si nécessaire, c'est pas un souci. Ça, c'est Curiosity. Donc parfait. Allez, continue, mon petit gars. On avance, on avance, on avance. Je sais pas trop comment les aider plus que ça là. Eux ils ont fini. Je vais lancer un petit peu la terraformation là. Au moins pour préparer ça ici. Hop, comme ceci. Et ça. Hop, on va le mettre là. Ok, on va laisser bosser tranquille. Bon, j'ai un énorme dôme là. Qu'on est loin de setup, hein. Mais bon, là, il faut passer les crises parce que les deux événements ont été vraiment chauds. Il faut que j'arrive à maintenir mon énergie. C'est la prio. Allez, c'est parti. On en aura deux autres là. On en aura là-bas aussi. D'ailleurs, la rampe là, ça va pas être pour tout de suite. Antares, alors là, on est où celle-ci? On peut la renvoyer. Je vais la renvoyer. Il n'y a pas beaucoup de thunes, mais c'est pas grave.
Alors, en recherche. Pour l'instant, ça, c'est... C'est pas prioritaire, hein. Je voulais lancer celle-ci, mais... Ouais, ça, avec les problèmes d'énergie, c'est pas trop le moment. Ah. Ok, ça c'est la priorité absolue. Très clairement. J'ai bien envie de mettre le scan en profondeur, mais c'est pas la prio, non. Ça oui, par contre, ça peut être très intéressant. Ça aussi. Ok. La température monte tout doucement, hein. 2%. On n'est pas prêt de commencer à terraformer, alors j'espère que je vais réussir à survivre quand même, parce que ça me ferait... ça m'embêterait bien quand même, de pas réussir à faire ce que je veux sur cette partie. Commencer à terraformer Mars. Bon là ils vont super vite, c'est top. Fermer ça pour le moment. On va mettre l'accent sur les bâtiments là. Quand même du monde en moins. Oh là, Métatron, la voix de Métatron. Alors, voyons voir. J'ai besoin de vous parler. Commandant, j'ai l'impression qu'il m'arrive quelque chose d'étrange. C'est le monolithe. J'entends ses pensées extraterrestres dans ma tête. Il me parle. Pour une raison que j'ignore, c'est moi qui l'ai choisi pour être son porte-parole. Si le gars derrière veut bien se taire. Alors, j'ai d'abord cru que je devenais fou, mais les médecins m'assurent que je vais parfaitement bien. Depuis l'apparition du monolithe, je fais des rêves qui ne sont pas les miens. Je vois des choses que je ne peux pas comprendre. Je sens qu'une vérité étrangère se forme dans mon esprit. Une vérité que je dois annoncer à tous. J'ai peur, mais j'ai aussi hâte parce que je sens que c'est important. Ça paraît insensé, mais je veux y croire. Avancée découverte, muscle artificiel. Waouh! Très intéressant ça aussi. Logement collectif, ça va être cool aussi, mais bon. Pas pour tout de suite. Ah! Ça y est. On a l'arcologie. Alors. Espace de vie pour nombreux colons offre un confort élevé. Ils sont 21 dedans. Ils sont 21 dedans. Et du coup, ils ne font plus rien, quoi. Et on a toujours du mal à avoir des naissances, hein. C'est assez fou. Ah, c'est vraiment ils sont résidents du truc, quoi. Ça mériterait une navette avec des nouveaux gars, mais... La bouffe, c'est juste. Là, on est comment? Je m'attendais pas à ce que ce soit des logements en fait. J'ai peut-être pas. Espace résidentiel. Ouais, bah j'aurais dû juste lire un peu mieux. Ok. Donc, c'est très bien. Ça mériterait un gymnase dans le coin aussi. Mais il faudrait que je mette une ferme fongique pour ça. En même temps, ouais, j'ai l'impression que ouais, sur la bouffe c'est ok, mais on va faire gaffe parce que ça peut vite devenir très très limite. Découvert de nouvelles techno, hein, c'est très bien. Alors, Spirit. Ouais. Et Opportunity fait quoi là?
J'avais dit plutôt polymère, hein. Mon petit. On en a ici. Pour l'instant, ici, pas besoin. Je vais en mettre là. Bon, là, ça bosse de ouf, hein. Donc tant mieux. Et ma nouvelle usine, là. Alors pourquoi elle est pas alimentée en carburant là? J'aurai besoin de faire un transfert, j'imagine. Ouais, j'aurais dû la poser là plutôt. Ma deuxième usine, j'ai presque envie de la poser vu que c'est automatique. Et si on a des problèmes, je pourrais les couper, c'est pas un souci. Sector scanned. Alors, nouvelle techno. Oula, simulateur de croissance, jardin suspendu. Ça, je crois que c'est génial. Droit d'auteur martien, application de recherche, liquéfaction de roche stérile. Alors, simulateur de croissance. Ouh, c'est énorme ça. Alors, nouveau bâtiment, traitement roche stérile. Transforme lentement la roche stérile en béton. Ouais, avançons, on s'en cogne pour le moment. Ça c'est super, mais ça, c'est trop cher pour le moment. Il va nous falloir notre pôle science, hein, pour ça. Je vais booster un tout petit peu, ça vaut le coup. Comment sont nos concurrents là d'ailleurs? 48 gars, 103. Ça c'est nous. Ils sont toujours bloqués à 48, hein. C'est incroyable ce qu'ils ont en polymère. Est-ce que je pourrais pas... Contact. Demander des ressources. Ils peuvent pas nous aider. Ouais, parce que j'ai jamais réfléchi. J'ai répondu plutôt. Je pense que c'est ça, parce que des polymères, c'est l'Europe qui en a plein. D'accord, je pourrais. Moins 20 de réputation. Ok. On va éviter de le faire quand même pour le moment, parce que c'est pas urgent. En train de me dire que du coup, ça on va le péter et je vais mettre un gymnase. Je pense que ça sera pas mal pour eux. Ça coûte pas grand chose de toute façon. Ça c'est la consommation. Ça c'est génial, mais. Ah, ça donne envie quand même, hein. Sur un petit dôme comme ça, ça me paraît quand même surfait. Écoutez, je vais mettre un gymnase. On a des thunes, les thunes remontent, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, il n'y a pas eu trop de bordel. Bon, je vais mettre en pause, on va s'arrêter là pour cet épisode qui était un peu tendu. Mais ça va, on a réglé le problème d'énergie. C'est vraiment quand là on stoppe des tempêtes de poussière. Il y en a beaucoup dans notre zone. Assez violente. C'est un petit peu chaud, hein. C'est un petit peu chaud.
Ah oui, c'est vrai qu'on a les fusées d'assistance étrangères. On va voir ce que ça dit, ça. S'il nous demande encore 37 polymères, je les rebalance dans l'espace. Parce que... C'est vraiment pas le moment, quoi. C'est vraiment pas le moment. À ce niveau-là... Faudra augmenter ça un petit peu. J'ai l'impression que ça va pour le dôme, là. Mais bon, on a eu quelques suicides. Je pourrais renvoyer une navette. Il y a 8... 8... ouais. 10 places. Ce serait pas trop, je vais réfléchir, mais en fait... Je vais voir déjà pour setup le dôme ici, si j'en pose un dans le coin. Pour pouvoir aller tous les relier. Est-ce que ça va le faire ou pas? Je vais regarder ça. Voilà, on se quitte ici. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la suite. Salut à tous.